Non. De toute façon, tout le monde sait que maintenant, pour soutenir le stream, il faut aller sur Allo Asso. Hein. Exactement. Mon Dieu, il a bien dit pour une fois. Il le fait exprès. Oui, oui. Je sais qu'il fait exprès. Ok, le village des éleveurs, c'est fait. Allez, bonjour et bienvenue sur le stream Ivasun Studio. Voilà. Bonjour. Salut. Tu m'as fait. Salut. Et depuis quand c'est toi qui fais les intros, non Méo? Oui, j'avoue. Ah bah attends, je viens de faire les publications, je fais bien les intros maintenant, voilà. Ouais, je suis désolé, j'ai oublié. Shit happens. Alors j'échange. Moi, je bonjour Draken. Pour éviter d'XP, salut Draken. Bon, petit topo vite fait, bonjour, coucou, voilà, c'est fait. On repart sur les quêtes work vite fait. Voilà, et je pense qu'après on fera un peu d'alignement. Tout simplement. Jacques, est-ce que tu as bon tas? Je suis au village de Amakna. J'aimerais que tu viennes à bon tas pour que je te redonne ton Volcorn. J'arrive. Ah, mais j'étais encore devant Don Juan parce qu'il a donné le bisou là. Pas de soucis. Hôtel de vente des créatures, tu sais, à droite, petit portillon, tout ça. Enfin, d'abord je t'échange, après petit portillon et équipé. Voilà, voilà. Ouais. Un nouvel achat cadeau est disponible dans l'interface boutique achat code cadeau. C'est quoi ce bordel? Ah. Parce que tu t'es abonné? C'est ça. Bah, la dernière fois, ouais, mais j'ai non, pas rien fait depuis quoi. Non, toujours pas. Merde, c'est quoi, c'est U? Tiens, envie d'y aller dans les songes affiliés. Mais oui, ça me donne envie. Non, c'est R. Ah, c'est R. C'est R, ok. Achat, code cadeau, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien, moi. La coiffe nonos dans 34 jours. C'est parce, c'est parce qu'il s'est abonné. Mais je sais pas, j'avais un oui. Un point d'exclamation sur achat, code et cadeau. Wow. D'accord. Ah, je peux valider mon code cadeau dans le jeu maintenant. Oui. C'est bien ça. C'est cool. C'est plutôt pratique. Là, j'ai gagné un bonbon du stage du coup. Ah, c'est voilà. Pour gagner de l'expérience. Eh ben, tu sais quoi? On l'utilisera plus tard. Ah. Dès qu'on est sûr que tu vas prendre beaucoup d'XP, on l'utilisera. D'accord. Comme ça, au moins, tu pourras nous rattraper. Ça te ferait gagner beaucoup plus de l'expérience. Ah, je veux le chat-chapeau. Il y en a, ils sont jolis. Ah, je le veux. Mais je le veux même en vrai, en fait. D'accord. Je le veux en vrai. Au moins, c'est dit. Ça coûte cher, les bières de Bork? Je sais pas, je peux aller voir si tu veux. Alors, non, je suis ici. Tu es sur la même map? Je suis en moins 36, moins 56. Il faut passer en moins 37, juste à gauche, s'il te plaît. Juste à gauche, j'allais partir à droite, tu vois. Alors, proposer un échange. C'est vrai, je c'est te rends chiant. Ton Volcorn et maintenant tu vas au petit portillon et tu le rééquipes. Et je l'ai renommé d'ailleurs vu que c'est une femelle. Oh merde, j'ai peur. Non, alors, ça va, je suis resté très soft. Au portillon. Et je fais quoi? Je double-clique dessus? Tu cliques sur ton... Ah. Alors... Attends, en bas à droite, t'as écrit le contrat du Volcorn et tu la rééquipes. Et tu dis bonjour à Marie-Noël. Attends, oui, c'est comment on fait? Attends, là je l'ai mis dans étable et c'est pas ça. Non, non. Il faut cliquer sur équiper. En haut à droite. En haut à droite, normalement. C'est quand tu recliques dessus, tu fais équiper. T'as mon chef qui m'envoie un mail maintenant, quoi. Il est super. Tu lui dis, ma journée elle est terminée, merci. T'y es arrivé, attends. Guillaume? Non. Ah, c'est bon, je vois le bouton, ça y est. Okay. Je viens juste de me rendre compte d'un truc, donc ma monture est stérile, là, toujours. Et, je viens de voir. je viens de voir un bouton castrer cette monture. Mais oui. Elle est déjà stérile. Alors, elle est un stérile et deux, c'est une femelle. Oui, mais tu peux castrer une femelle, hein. Non, on castre pas une femelle, justement. On ligature. Oui, bon. Oh, ils ont pas fait ça. Écoute, c'est parce qu'ils estiment qu'elle est non-genrée et qu'elle peut avoir... Ah, voilà. D'accord, ok. C'est une monture queer. C'est ça. Si tu veux. Ok.
Bon, alors... Attendez, donc, 99, je modifie l'XP donné, c'est ça? Tu mets 90. Bah, et gender fluid. Déjà le cas. Ok. Bon, laisse 90, alors. Il faut qu'elle passe niveau 100. Ok, et quand elle sera niveau 100... Tu mettras ça à 0. Voilà, il faut bien que je le modifie après. Oui, exactement. Mais ça ne saurait que tarder. Au bout d'un combat ou deux, si on fait tout comme il faut, ça passe. Hein. Elle passe niveau 100. Est-ce que là, j'ai ma monture? Je sais pas, je suis en mode créature. Eh ben, on se fait téléporter par... Attendez. Est-ce que vous avez tous des pots de gobelins dans votre inventaire? Des pots de gobelins? Ah, c'est vrai que c'est une bonne idée. Alors, ressources... Ça, c'est censé ressembler à quoi? J'en ai 5. Et 2. Putain, ça ressemble à un jambon bleu. Ah, j'en bleu. Ai 2. Ouais, c'est bon, le jambon bleu. J'en ai que 2, moi. Il en faut combien? Je dis 10 000. Il en faut 5. Attends, j'ai perdu la quête. Il en faut 5. D'accord. 3 pour moi. Et normalement, je vous en avais déjà passé 5, non? Je pense pas. Bah, mais si vous, on l'a. 5, donc c'est peut-être une quête qu'on a déjà faite, c'est quoi? Manque de moules. Non, ça me dirait. Non. Je vais vérifier. Quelle est la moule? Manque de peau, on a. Ramené à Bourg Épique, 3 peaux de gobelins. C'est ça ou pas? Manque de peau, attends, manque de peau. Ça pourrait expliquer pourquoi on en a déjà perdu. Manque de peau. Ramener 3 peaux de gobelins. Ouais, moi c'est validé. Comment tu... Ouais, c'est validé. Pourquoi je n'ai pas cette quête dans mon journal? T'as pas fait manque de peau. Attends, manque. Il est trop nul. Si, je l'ai fini. Ok. Attends, parce que t'es dans quoi? T'es dans quête? Bon, du coup, je vais en acheter d'autres, alors. Campement des bois. Bah, j'imagine, oui. Donc, on 3 fois 3, c'est ça, 9? Mais pourquoi Jack, il en a 5, donc c'est bon. Mais du coup, il va devoir en donner 3, non? Oui, mais c'est bon. S'il en a 5, il en a juste à en donner 3. Je comprends pas ce que tu comprends. Enfin... Quel est le problème? Non, parce qu'il y a une quête où il faut en donner 5 et une autre où on en a donné 3. Ça fait 8 en tout. Oui. Mm-hmm. Eh ben il en a droppé, je sais pas. Il en a 5 sur lui, donc lui c'est bon. Non? J'en ai 5 sur moi, c'est tout ce que je sais. Bon, j'en rachète, ça coûte pas cher. Allez hop, okay. Voilà. Okay. C'est bon. Moi, ok, c'est bon, tu peux nous téléporter. Ah, ok. Il y a Draken qui dit dans le chat que Jake n'a pas donné les pots. Ah bon? Ouais, c'est bien ça. Et comment il sait? Vu qu'au dernier stream, il a choisi de se battre contre le Bourg. Ah putain, il y en a au moins un qui suit. Il y en a au moins un qui suit. Ah putain, ouais. Tu peux remettre ta monture, Guillaume. Pour remettre ta monture, tu cliques sur... Tu le fais D. Flar. Ou alors... Tu fais D. C'est bon? Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce qui nous manque comme quête? Allez voir le Bourg and Roll. Je sais pas. Vous êtes où tous? Alors, attends. À la sortie du donjon. Sauf Guillaume qui est resté faire un câlin au bois. Bah, je suis à côté de Louis, moi. D'accord. Non, ouais. Pas autant. Voilà. C'est quoi? Des bières de Bourg. D'accord. Je te passe ça aussi, on sait jamais. Ok. Merci. Et là, on sort. Oui, tu peux sortir. Arrêtez de bouger. On bouge pas. Moi. Je vous ai désolé. Tiens. Merci.
Voilà. Alors, on va en moins 4, 2. Ok. Donc il faut monter. Et j'ai attendu que vous partez pour vous suivre. Et aller une fois à droite. Il faut monter tout en haut et après une fois à droite. On va passer devant... Bim bam boum. Bim, boum. Normalement, oui. Mais attends, mais peut-être qu'on l'a lancé cette quête. C'est comment elle s'appelle? Bim. Bam boum. Pourquoi tu fais ça? Ça me fait plaisir. Tout le monde a lancé la quête. Gob Miché vibre pour Gob Rose. Normalement, oui. Ça y est, il arrive. Donc, il le fait. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, il faut qu'on trouve Gob Rose. Gob Miché pour Gob Rose. Bah, il est là, Gob Miché. Oui, parlé. Voilà. Il faut qu'on trouve Gob Rose. Faut trouver la tanière de Borxine qui se trouve en moins 3, 11. Allez, on pourquoi descend. Tu nous as fait monter? Pourquoi tu nous fais ça? Mais je pensais qu'on avait pas lancé la quête. D'accord. Désolé. Et manque de poids tout seul. Ça fait 20 ans qu'on suit juste un moment randonnée. La. Oui. Ya. Je présume qu'on va dans la tente. Oh, voilà. Quelqu'un qui appelle à l'aide. C'est dommage. Et... Je pense qu'il a cliqué sur le mauvais groupe. Eh bien, c'est dommage. Salut, Warxine. Toi, avoir essuyé tes pieds. Je sais pas quoi répondre, j'ai pas envie quand même. Mais faut répondre oui. Pas globophile. Globophile. Non, c'est pour un ami. Aïe aïe aïe. Bon, bah normalement on peut remonter. Ouais. Allez voir Gobreux. Allez voir Gobniche, ok. Ambre Gobreuse. Hein? T'as parlé à Gob Rose? Et où? Il faut reparler à la... Il est dans la tente. Oh. J'ai reparlé à la meuf, mais pas à côté. Eh bien, bravo. Je ne te félicite pas. C'est mise à jour. Allez voir Gob Miché. Vroom, 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 vroom. Va falloir redescendre voir Gob Rose. Je le sens venir. Je le sentais venir. Dès que t'as entendu rire, j'ai compris. It was at this moment Jackson knew. Il fucked up. Et on redescend. Forbourg. What the fuck? On va se battre contre des pioux. Je pense. Ça va être des pioux bien vénères, quoi.
Un combat solo? Je sais pas moi. J'ai pas lancé le stream. Bah bravo. Il a... Lila 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 la. C'est pas là. Oh, cette musique de des années 90. Lila 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 la. Je suis. Je sais plus quoi. Je sais plus ce qu'il dit. Oh, il faut 8 œufs de pions. Attendez, je suis perdu là. Non, attends, attends. Faut pas les dropper sur les pions. On a perdu Jake. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive, Jake? Je cherche la tente de Borxine et je sais plus où c'est. C'est là où on était tout à l'heure, en moins 3-11. Moins 3-11, ok. Oh putain de merde. Fallait redescendre voir Gobroz et Borxy. 1998. J'avais... Est-ce... 3 ans. Est-ce qu'il vous reste au moins 16 bières de Bork? Tu... J'en ai 20. Dans les utilisables. Oui. Donc là, la madame. Okay. Je suis au boulot. Une fois qu'on a reparlé. Ah, vous êtes devant, d'accord, ok. Donc là, on attend pour le choper des trucs de pew, c'est ça? Oui. Alors, maintenant, on va en moins 6-4. On va se battre contre les pew? Non, on va les non. échanger contre. Le type qui nous a échangé des trucs là. Lila 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 la. C'est quoi cette chanson, Jean? C'est tic 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 Kim Kay lila li. Quoi? Ça dit en moins 6-4, t'as dit? Ouais. Oui. Et vas-y. Terriblement efficace. La la li la la li. Ok. Je sais pas si Draken connaît ou pas, ou si s'il est allé voir, mais. Ça ressemble plus au générique de Opération Séduction Feu en sur NCP. C'est la classe. Quoi? Quoi? 6, 4 ans. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Putain, il est dans un cul-de-sac. C'est combien de bières qu'il faut lui donner? C'est. Tu lui en donnes 8 et tu refais un échange, tu lui en donnes 8 encore. Ok. Ah oui, c'est des œufs de pio, genre cuisinés quoi. Attends, j'ai pas entendu, faut lui en donner 8 x 2? Oui, c'est ça. Côté. Et on redescend. Attends, non. Changer. Je sais plus à qui il faut les donner. Si, si, à Borxine. Si, à Borxine. Donc on redescendra. Ah, c'est bon. Top délire méga groul. Je savais pas que c'était délire, les hein. paroles de cette chanson. Mon dieu. Je sais même pas ce que c'est, votre là. Je l'ai mis sur même, si tu veux savoir. Oui, mais je vais pas le lancer en plein stream, ce truc. 6. C'est les bières, c'est ça qu'il faut lui donner? Oui, oui. 8 bières, puis oui. re-8 bières. Fais chier ce mec. Oui. Tu sais, tu pourrais lui enfiler 16, ben non. La, li, la, li, la, la. Arrête. Ça a l'air vraiment nul. C'est 1998 quoi. Et là on revient là où on était. Oui. What the fuck? Il est 8h30, il faut pas tarder, je mange ma tartine avec du café. Oh là là, quoi? C'est des paroles.
Il est 8h30. Je vais la mettre en sonnerie de téléphone, c'est pas possible. Ah ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas mieux sur Terre. Un combat solo ou pas? Je sais pas du tout, c'est pas écrit. Donc on va Écoute. Je me lance. Non, je me lance moi. Oh mon dieu. C'est solo. C'est solo? Oui. Non, j'attends mieux. Il a beaucoup de vie. La map, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pioux. 8 pioux, putain. Ok. Dans 300 de vie. Ah ouais. Ouais. Oh putain, mais ils m'encerclent quoi. Bon, on va faire attention au PA. N'est-ce pas? Oh, quand même les pioux. Technique, mec. Ah, il tape un truc quand même. Ah oui, purée. Quoi, cuit. Oh. Oh la vache. Je suis pris du moins... Du moins 130. Oh non. J'étais taclé. J'ai quand même bougé. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Ça sent mauvais, cette histoire. Merde, je peux pas invoquer quelque chose. Mauvais dans l'air. Ah, mais complètement. Essayez de vous mettre dans un coin et de mettre une invoque devant vous. C'est ça. C'est c'est le prototype. Hein. Oh, merde. Je tente un truc. Je suis dans la cacade. Je sens vraiment. Aïe! Bah, ça fait mal! Putain, j'aurais dû mettre la cahouette devant moi. Bon, bah, je suis la mort. La cahouette de ses morts. Ah ouais? Bah, va falloir le refaire. Hein. Reste 600 PV. Ah, mais c'est loin. J'ai fait le tofu doré, mais avec une piqûre motivante. Il est énorme. C'est le zap le plus proche, c'est quoi? Bord de la forêt maléfique. C'est le premier zap. Ça fait trop mal, wesh. Ah, c'est violent. Ouais. Oh la vache. Mais vous allez mourir. Et après, tu montes jusqu'au transporteur, Brigandin. Transporteur. Brigandin. Ah, j'en bute un par tour. Bois cuit. Putain, oh, c'est comme un PGM. Franchement, je fais des dégâts, mais niveau PA, Louis, c'est une monstruosité. Je compte chacun de mes points. Ah, moi je joue mais comme un dieu. Oui, il faut bien que je me mette un peu de tirage parce que personne ne le fait. Hein. C'est moi je peux pas invoquer. Oh merde. Il me restait 600 de vie. Oh ça va. Ah, moi il me reste 300. Hein. J'avais mon bouclier heureusement parce que sinon je sais pas si j'aurais réussi. Allez voir comme c'est la girl pilote. C'est ça. Et là tu vas à gauche. Là tu prends la grande porte en bois. La grande porte avec une tête de mort dessus. Ok. D'accord. T'as encore ? Bon, c'est pas si loin en fait. Non ça va. Si je pourrais. Oula, qui a dit ça ? Dans la musique. Ah bon ? Tuez-le. Tuez-le avec du feu. Ah j'ai réussi. Ouh. À 52 secondes. À 52 secondes, elle dit si je pourrais. Qui elle? Lila. Encore. Putain. Il aimait pas les pères verts, il préférait les pères gris. Ah.
pire van, quoi. Oh là là, mais ce clip. Est-ce que... Tu as quoi toute ta vie Non. Attends, mais Draken, il m'a passé plein de pain. J'arrive. Oh, mais quel PGM, lui aussi. je dois avoir des carambars quelque part. C'est bon, t'as toute ta vie. Ah, pardon, merci. Je sais pas. Merci. Alors, je reparle à la meuf. Ouais. Putain. Et avant de se placer, attends. Que j'observe. Tu peux bouger ou pas? Oui. J'aimerais que tu ailles là. Ok, tu démarres. Première chose, tu vas faire roue de la fortune. What the fuck? C'est ce que j'avais tu mets un bluff sur n'importe quel piou. Je suis là. Tu vas dans le coin juste à côté de toi. Et tu mets une invocation devant toi, une carotte ou la roulette. Quelque chose qui bouge pas, parce que ton chaton il risque de bouger en fait. Voilà. Et à partir d'ici, tu vas essayer de les toucher. Comme ça au moins pourra tanker quelques coups. Ouais. Quelques. Ah non mais c'est le bordel. Là par contre tu pourras mettre ton chaton devant. Mais avant tu fais Fais ton tu fais sort un de zone. Ou ton sort de zone. Ah j'aurais mis la carotte devant. Non mais là tu peux mettre bouge le chaton. Pas, bouge il pas. Il va pas bouger là. Mets le chaton. Le chaton ouais. Et tu peux taper encore un piou en diagonale. Ok très bien. Mais le piou lui j'espère qu'il va pas bouger. Ah non il est taclé, tout va bien. Ouf. Ah c'est bien, le piou a pris la place devant. Ok. Oh la vache. Tant que t'en as qu'un qui est à côté de toi, ça va. Ouais. Non, mais fais, fais un coup de cac. Je sais pas combien tu... Non, pas du cac. S'il peut en tuer deux d'un coup, autant qu'il le fasse. Oui, mais il a pas de sort de zone. Il te reste ici pour la carotte. Non. Bah, c'est pas grave. Reste là. Pour l'instant. Dans combien de tours tu peux refaire tout ou rien? Dans deux tours? Je crois, non? Tout ou rien? Maintenant, là. Tu pouvais pas faire tu peux deux le refaire fois... Oh, bah tant mieux, vas-y. Fais-toi plaisir. Tu pouvais pas faire deux fois bluff, je sais pas. Ça fait tellement mal. Ah voilà. Mais c'est trop bien tout rien, c'est juste génial. Eh ben tu peux faire deux bluffs et je pense que t'as fini. What? Eh ben impec. Voilà. Tout ou rien, c'est trop fort. C'est génial. C'est un des meilleurs sorts qu'ils aient fait pour les cas quoi. T'as réussi Thomas? Oui. Bon on peut retourner voir Gobmiché. Ouais. Tout là-haut, sur la colline. En moins 4, 3, je crois. Ça. 2, moins 4, 2. 4, 2. Ah, il est pas cheaté en vrai, tout rien, hein, parce que. Il soigne derrière. Hein. Et il fait des dégâts à l'écart. Puis faut bien que l'écart ouvre quelque chose. Parce que si tu tapes un coup de félation, tu te fais chier. Oh mon dieu, mais enlève ça! Moi j'aime bien. J'aime bien. Allez, Gobmiché, c'est terminé. Ouais. Tiens, je vais chercher ma manette pour jouer quoi. Sans pas du tout le mec complètement phasé sur sa Switch. Karine Benzema qui. Ok. Quoi? Le mec qui a lancé un combat il s'appelle Karine Benzema. Ensuite, nous allons où? En moins 5-3, c'est en bas à gauche. Ok. On va parler à Gobroz. Non, non, c'est fini ça. Dans la cahute. La yourte. Arachitix. Suffisamment pour m'aventurer ici. Oui.
Il est où le machin petit trou du nez? Oh non, pas un trou. Si. Oh non. Non, ça c'est nul par contre. Allez, au... Je sais plus où c'est le trou. Tout en bas. Wargomiché. Non, pas Breuse. Attends, peut-être lancer une autre quête qui demande de faire un trou. Ah bon? Moins 5-10. C'est où ça, moins 5-10? Faut descendre. Et en bas. Là, c'est au donjon. Bah, c'est Borkanroll, non? Oui, c'est ça. Ok. Donc on va en moins 5-10. Là où il y a l'icône du donjon Bouark. Aïe. Ah si, je peux y aller. J'attends les gens. Et dans le donjon? Non. Mais c'est pas dans le donjon, c'est à côté. Ah, faut rentrer dans la dans le crâne, si tu préfères. Ah oui, oui, oui. Et après, faut aller en bas. À gauche. Et après, à gauche. Et il y a Broken Wall. Il faut lui reparler. On choisit quel rituel? Adopte un troule. Quel rituel? Faut pas lui reparler. Ah bon? Il a un point d'interrogation parce que vous avez déjà les pots de gobelins, mais vous avez pas les Toussadida et les autres trolls. Ah, d'accord. Bon, mais j'ai un scalpel. Il faut faire quoi, du coup? Alors, vous équipez le scalpel. Ah. Parce que sinon, ça marche pas. Fonctionne pas. Oh là là, voilà. Moins 26 de force et d'initiative. J'en connais un qui va râler. Déjà que je manque d'initiative dans la vraie vie. Bienvenue au club. Et on va... On sort? Maintenant on peut taper du trou, oui. Attends. Y'en a pas un enragé quelque part, là? Faut aller péter à côté de Monta? Mais non, non, on va en 3-12. En bas. Ok, on va en moins 3-12. Ok, pardon. Eh bien, on sort du bâtiment et on redescend. En moins 3-12. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? On peut aller sur la grille, mais faites gaffe. Bah, tu tombes. C'est vraiment très moche quand on zoome. Oui. Ils sont vectorisés. Tu es où, Guillaume? Ah, il est là. T'as équipé ton couteau? Mmh. Allez. Au couteau, Noken. Vous êtes tombé? Ben oui. Tu veux le tomber ou entrer dans la grotte? Fais comme tu veux. Je préfère me casser une jambe. Chacun son kiff. J'ai perdu quasiment 100 de vie. Wow. Au moins 12 millions. Bon, il y a combien de PV? Je ne sais pas. C'est 84. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. T'es sûr que tu veux mettre là? Ok. Ah oui, quand même. J'ai peur. Ah. J'ai peur. Il est apprivoisé, il devrait être gentil. Non. Non. Il va nous casser les dents. Et voilà, le attention, attention. Pense. Bon, on a et vu pire. On a vu pire. Ok. Il m'a fait peur. Je suis merde, il va lancer autre chose. Oh, ça va. Ça peut être pris dans un coin. Non, c'est pas encore. Voilà, là maintenant c'est à moi. Mais oui, mais c'était une vanne parce que j'ai fait du. Et je savais pas quoi dire après, donc c'est sorti tout seul. D'accord. Du duel. Non.
non, ça on va éviter. Petit bluff. 5 de portée, ouais. Ouais. Ah, mais on n'a pas de fenêtre. Oui. Je sais même pas pourquoi j'ai fait un... Tape en zone ou pas? Lui? Je pense pas. Non, je crois pas, non. Ouais! T'as eu peur, hein? Ouais! Me tape pas, ouais! Ah! Là, fais gaffe, il a un buff. C'est quoi? Oh! Alors, c'est quoi qu'il a? Absorption troulesque. Pas un deux tours? Non, je me casse! Donc en fait on peut pas le taper pendant deux tours, c'est ça que ça dit. Ou faut lui enlever plus de 100 PV. Ah oh, easy. Ah easy. Peut-être pas avec les tofu, cela dit. Genre merde. Ouais, là, tu vois, dire qu'il y arrive. Il est trop fort. Alors que moi j'enlève du moins 99. Juré. J'ai jamais vu quelqu'un faire aussi mal avec un plumeau. Il est costaud le petit trou, hein. Le petit trou, là encore des petits trous. Il est nul ce trou. Un petit peu. Vas-y, mais moi je peux pas le taper. Pourquoi c'est... tu le soignes? Mais si, c'est bon. Mais il est perdu moins 100. Plus 4. Ça se fait que nous on a pu faire tous nos dégâts comme il faut et pas toi. Bah parce que moi je tape comme une merde. Non, c'est peut-être parce que tu tapes terre. Hein. C'est vrai. Oui, comme il a 27% de résistance terre. Enfin, il a 15% de résistance. C'est Jacques qui va se faire plaisir à lui faire les gros dégâts. C'était nul. Zéro, quoi. Ah, ça me fait rire. 3 hours later. C'est ça. Aïe aïe aïe. Ouf. Ouh, il commence à faire mal là. Ah, il commence à taper. Il lance le sort trou la honte. Comment c'est trou la honte? Non, tu étais censé faire tes dégâts normaux. Ah, quoi que. Allez. Si, c'est bon. Ouais, je suis trop fort. T'es le plus fort. C'est bien connu. Et c'est le 2 PM. Yeah, yeah, yes. T'as enlevé combien? Attends. Ah merde, c'est pas le même. Ça sert à rien. C'est pas le même cac. Ah. Et non. Oh. Je me suis fait avoir. Attention, cuit. Ma salope t'es cacué.
dans un niveau, je pourrais avoir mon troisième tofu avec moi. C'est vrai? Bah, je vais m'en sortir ce niveau 70. Mais je mets tout dans ma DD pour pas. Pour éviter de prendre toute l'XP. On y est presque! Moins 170. Rien fait. Bon, c'est pas vrai, depuis tout à l'heure il le picore. Oui. Encore 2 PM. Jake, reviens le taper. A gagné. C'est quoi ce drop de merde? J'ai eu 4 roules industrielles. Ah, moi j'ai un os de troule, ça me va. Allez, ciao! Au revoir! Il en faut 5, putain. Ah, t'as quoi? Quoi? Ben oui. Il faut faire 5 fois le combat qu'on vient de faire. Non, il faut faire 5 fois. Non, il faut le dropper pour 5 tout le monde! Ça coûte combien? Ça doit se drop, ça doit s'acheter en HTV. Ah oui, oui, ça va s'acheter, oui, on va faire ça. Ah oui, 10 000 cabal unité, oui. Mais vas-y, moi je lâche mon fric. Hein. Ah, j'ai pas envie de faire 20 fois là, ce trou là. Bon, allez, on se tire. Allez, on se tire. Ça prendrait l'équivalent de tout un stream. C'est clair. Je vais aller n'empêche qu'on peut, retourner en moins 5-3 pour valider la quête. Ok, déjà on va faire ça. Moins 5-3. Oui, c'est à Babelwood les bains. Il faut tout remonter. Ah oui. Mais non, mais je vais aller les acheter, je m'en fous. C'est trop pénible. J'ai gagné de l'argent à la sueur de mon front. Il faut bien qu'il serve à un moment donné. Vu qu'il n'y a pas de... J'ai pas de pourcentage d'économie ni rien, donc... La sueur de mon front. Ah ben, complètement. C'est grâce au retour. J'appuie sur la souris avec mon front et tout, c'est pas évident. J'imagine le truc, ça serait trop drôle, quoi. T'arrives à jouer? Ah, j'arrive. Alors, ouais, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je vais les acheter. Faudra... Attends, est-ce que tu peux aussi acheter? Oui. Attends, c'est où? Elle est où, la quête? En bas à gauche. De quoi en bas à gauche? Jake, il s'était perdu. Ah. Ah oui, je suis bien perdu. Ouais. Alors, hôtel de vente des ressources. Il en faut combien? 20? Oui. J'en ai un, donc 19. Oh, on s'en fout. Os de troule? C'est ça. Oui. Oh non. Il y en a pas par 10? Non. Bon, déjà j'en ai 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 10.
Bah du coup arrête-toi à 19. Bah oui, c'est ce que je vais faire. Oui. Ok, il y en avait 19 en vente. Ouf, j'ai eu peur. J'ai est-ce que tu peux aussi prendre 20 fer, mais ça on en a ça non? Oui. Et 8 huiles de sésame. Ah, on n'est pas sur moi du coup. J'en ai pas par contre. Huile de sésame, il en faut 8, tu m'as dit. Oui, prends-en 10. Hein. C'est ce que j'ai fait. Je passe à ma banque vite. Ah oui, je reconnais la map, c'est bon. Je suis moins perdu. Bon, j'arrive. Désolé pour l'entretemps. Temps. Okay. Ma box a explosé, donc la file d'attente. C'est bien, hein? Tiens, c'est bon, j'avais un PA en plus. Je sais même plus où on en est. Donc... Je vais en chier. Ah oui, je faisais mes achats, j'allais chercher mes vins de fer. C'est ça. Et là, recrache. Ça donne au tac les XP. Ok. Putain, pop en plein bon tas, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Tendance dans la catégorie France, Greg. Sur Twitter, Greg est en tendance. Ah, mais il y a des tendances en ce moment depuis quelques jours, on sait pas d'où ça sort. Hein. Je sais pas, ça vient d'où. Ça y est, je suis dans le campement. Ouais. Viens en moins 6-8. Oh, et ça vient des Marseillais. Vous pouvez me téléporter ou pas? Oui, j'arrive. Merci. Sauf s'il y a quelque chose d'autre à acheter. Non, normalement c'est bon. Le fer, l'huile de sésame et les os. Ouais, c'est ça. Ok. Aïe aïe aïe. Draken, est-ce que tu es toujours là? Si tu l'as, tape trois fois. Il a dit oui. Est-ce que le son de la musique est trop fort? Parce que je l'ai mis un petit peu au minimum, mais... Pour moi, ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est bon. Parce que je l'ai mis vraiment basse exprès. Est-ce que Thomas et Louis peuvent dire des trucs pour voir... Oui, c'est bon, j'ai mes œufs de troll. T'as tes œufs de troll? Ah, tes os. Tes os de troll. J'ai dit œufs, je crois. Je te propose un échange, Nick. C'est bon aussi. Ok, très bien, merci. Ah, tu me lances des pierres. Ouais, je t'envoie du fer. bon, qu'est-ce que je dois faire parce que... Normalement, est-ce que tu as lancé la quête? Je sais plus comment ça s'appelle. Pentagone veut se remplir de Birbork. Il me faut la recette. Donc va en moins 6-6. C'est toujours dans le camp, ça? Oui. Ah. Ah si. D'accord. Tais-toi, Soma. Si tu baisses un peu, ok. Jake, t'es allé en... Mmh. Voilà. On est avec Work'n'Roll avec Jake. On lui parle ou pas? Non, non, mais t'as pas encore toutes les ressources. Bon. Ah oui, touffe de Sadida. Jake, viens en moins 6-8. Moins 6-8. T'es en haut à gauche. En haut à gauche. Ok. Et là, je pars en bas. J'étais déjà venu sur la map, si tu voulais la distillerie. Ah! Ouais. Mais t'as parlé à Work'n'Roll, hein? Enfin, va parler à Work'n'Roll. Il me dit ramener à Pentagone la recette de la bière Work. Ah, bah, retourne voir Pentagone alors. Il est où Pentagone? À la taverne du village d'Amakna. Ok, très bien. Bon, bah, je vais. Non, pas besoin de. Jake, parle au chef Boarkest.
Mais alors, attention dans les dialogues, tu lui dis que tu veux pas l'aider, que tu veux pas donner de cadeau, que t'es pas gentil avec lui. Je l'avais déjà fait ça. T'as déjà fait le combat ? Combat, non, mais là il me dit propose rien, je sais que je l'avais déjà parlé, je sais plus pourquoi, mais je l'avais déjà parlé. Et là il me dit toi, dépêcher, trouver cadeau. Ah oh. Bon, va falloir acheter les cadeaux du coup. Ah, mais c'est pas Noël, hein. Oh putain, faut que je retourne à mon taverne. Non, c'est bon, j'y vais. Non, mais vu que je suis à la taverne, je peux y aller, hein. Après, si tu veux, avant de revenir au camp. Genre là, c'est bon, j'ai parlé à Pentagone. Donc ça fait. La quête est finie, donc je peux aller à Monta, si tu veux. Mais va pas à Monta, il y a trop de monde, va. Non. Va à Montagne des Koalak. Oui. Village des éleveurs. J'y vais. Et c'est juste à gauche du Zap. Ah, c'est des équipements qu'il veut. Bah, une panoplie du Prespic et une baguette de l'Iriel. C'est une blague ? Bah, non. Guillaume, je t'aime pas. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que c'est les cadeaux que veut ton connard. Alors. Mais pourquoi vous en avez pas besoin, vous ? Parce qu'on a dit qu'on voulait pas lui donner de cadeaux. Ah. Bon, vas-y, dis-moi la baguette de. L-I-R-I-E-L. L-I-R-I-E-L. C'est une blague, il n'y en a pas. Ah bon ? L-I-R-I. Ah, l'Iriel, c'est bon. Ça coûte pas cher pour l'instant. Et une panneau Prespic. Ouais. Attends, quoi ? Il y a des bottes ? Bottes en peau de Prespic. Non, c'est juste non. Ceinture, coiffe, cap, anneau. Hein. Bah, tu fais clic droit, panoplie, t'auras tous les items. Ok. Clic droit, panoplie. Ouais, c'est bon. Parce que j'ai eu peur, il y avait des bottes, mais ça doit être des bottes juste random. Oh, 475 l'anneau du Pacific, je me suis ruiné. Oh putain. J'arrive. 175 000 ? Non, 475 Kama. Putain, un anneau à 475 000, tu sais. Attends, il y avait une ceinture à 500 000, hein. Je sais pas ce qu'elle avait, mais. Elle devait être FMPA ou PM. Hein. Non, mais genre les deux à ce prix-là. Hein. Voilà. Genre une ceinture Prespic, mais qui veut ça hein. Surtout à bas niveau. Je suis en voyage. Voyage. Qu'est-ce qu'il me restera à faire, moi ? Normalement, tout le monde aura validé le succès Kaira. Ok. Je suis une Kaira, wesh. T'as vu ? Bah, quand t'as parlé à Pentagone, t'as pas validé un succès ? Peut-être. Attends, je regarde. Quête, campagne de Borg. Ben non, il me manque la baguette pour le chef Bourquest. Ah, c'est pas que j'ai fait la même connerie. J'espère pas. Je crois que j'ai fait la même connerie. Oh, putain. Putain. Alors que je viens d'arriver. Ah, je crois que j'ai fait la même connerie en plus. Hein. Bon, mais c'est pas grave. Je le ferai. Ah non, chef Bourquest. Que veux-tu ? Non, je n'ai pas sur moi. Débrouille-toi. Viens la chercher. Ok, très bien. Et je te file les objets après. Ok, c'est bon, j'ai pas fait la même connerie. T'en as rien à foutre. Ah non, c'est juste que j'attends, je sais pas quoi faire. T'es vraiment sûr ? Oui. D'accord. T'as des. Tous les trois en combat. T'as des fers et du. De l'huile, Thomas ? Bah oui, je vais tout donner. J'attends ou je valide ? Non, vas-y, vas-y. Qui pour m'a tout passé ? Mais tu peux aller un peu en dessous le zap du village d'Amakna, t'as un atelier des forgerons. Ah. Abre ça qui est. Ah, mais il établit. Je
aurais tout donné, il l'aurait fait crafter à tout le monde. Mais je crois que c'est un objet de quête, je suis pas sûr. Ah, ok. Atelier des forgerons. Il y a trois émotes aussi sur la map, sur la même. Ouais, ouais. Bon, je vois aussi. Ah, trop loin. J'ai pas rééquipé mon scalpel. Cac. Ouais. Ouf, 42 dommages de poussée. Restez pas contre un mur. J'ai perdu un père. Vu que j'ai plus mon cac. Paire de ciseaux en fer, c'est ça qu'il faut? Hein? Paire de ciseaux en fer, huile de sésame et 5 fer. C'est ça. Un objet de quête. Ok. Eh bien, avance. Attention. Oh. Tiens, un succès. Et voilà. Kaira. Ok. Dans les équipements oui, âgés. Oui, c'est ce que je fais. Proposer un échange. Ok, comme les coupes de cheveux là. Bah, t'as le droit de nous trouver un Sadida. Oh la vache. Vas-y, cherche un Sadida. Il n'y a pas des masses, ouais. Bon. Ok, donc ça, tu le donnes au chef d'orchestre, je pense. Tu vas être super sexy avec cette panoplie. J'ai pris un niveau. Ouais, c'est bon. Tu as débloqué un succès. Ensuite. J'ai pris un peu plus de niveau. C'est pas grave, quoi. Tant mieux. On va pas s'en mêler. J'ai pris la moitié du suivant, quoi. Bon, où allons-nous? Donc, faut aller en. Quoi, tout le monde a moins un. Moi. Moins un 2. Moins un 2, ok, c'est au village ça. Oui. Jake, tu peux prendre le zap du village d'Amakna si tu veux. Hello! Village d'Amakna. Putain, je voulais l'eau. Je voulais l'eau. Moins un. Deux. C'est en bas à droite. T'avais dit qu'on ferait plein de choses au final. Bah ouais. Les recettes conditionnées. Non. Merde, c'est... Il est ici, Jake. La porte à gauche. Tu cliques sur l'enclume, tu fais forger. Ouais. Et tu mets 5 fer et 2 huiles de sésame. C'est tout en bas de liste. C'est les ressources que t'as passées, Eric. Ouais, la paire de ciseaux en fer. C'est ça, tu fais fusionner. Ok. Alors maintenant, tu vas dans ton inventaire. Mais c'est vrai, il y en a pas un seul, hein. T'es dans ton inventaire? Ouais. En haut à droite, tu as objet de quête. Je cherche un. Ça ressemble à quoi? C'est vert. Oui, c'est vert. Putain, ça sert à rien. Il y a un truc blanc, je sais pas ce que c'est. Je crois objet que c'est l'effet quête, ciseaux en fer, ouais. Donc tu fais un cliquer, déplacer la paire de ciseaux, tu la mets. Oui. Ok. Dans ta barre en bas. C'est fait. Voilà. Et normalement. Ah, j'en ai un! Banque d'Astrub. Banque d'Astrub? Ouais, il s'appelle Tarte aux abricots. Attends, et pour l'instant, il bouge pas. Il va falloir couper les cheveux de tout le monde. Non, juste du Sadida. J'ai dit Banque d'Astrub. Banque d'Astrub? Oui, vous prenez le zap à Astrub et vous allez à gauche et il y a un Sadida qui rentre dans la banque. Fuck! Merde, putain, t'es sérieux? Ouais, il vient de rentrer dans la banque. C'est bon, il y en a un en plein milieu de la banque. Dépêchez-vous. Hey, j'arrive. Il est vraiment en plein milieu de la banque. En plein milieu, où ça? Bah, en plein milieu de la banque. Ah oui, en plein milieu, il est là. Je l'ai obtenu, tout ce que ça dit. Il en faut 10, hein. Ah bon? 10? Oui. Vite, c'est pas vrai. Bon,
Et si j'en ai plus, voilà. C'est pas grave. Non, je pense pas. J'en ai 15. C'est bon. C'est bon, Jake? Je cherche votre PNJ là. 9. C'est pas un PNJ. Il a une coiffe bouffe tout. Blanche, une coiffe blanche. Il est juste en dessous, en bas à droite de toi. Il s'appelle Bakudida. Tu sélectionnes les ciseaux et tu cliques sur lui. Il faut le faire 10 fois. Et il faut le faire 10 fois. Oui. Mets les ciseaux dans ta barre de réponse. Ah, le vert. Ouais, le vert. Eric, tant qu'on est à la banque, tu veux des matériaux, quoi? On va pas faire ça maintenant. Bon, maman, voilà. Dans ton inventaire, dans objet de quête, tu as tout de ces ciseaux. Il est en train de les faire, il est en train 10, de compter. 7, 8, 9, 10. Normalement, c'est bon. Regarde dans l'objet de quête, hein, on sait jamais. Ouais, je... Attends, ouais. Porte la clé en haut à droite. J'ai 10 poils, ouais, c'est bon, de cette idée. Okay. Je vais vous taper. De rien. C'est aussi rare que les sangliers, dis donc. Oh, le retour de tarte aux abricots sur mon écran. On va où maintenant? Je vais vous TP. Maintenant, on va pouvoir parler à Bourkenroll. Une poubelle vide. Y'a rien dans les poubelles. Putain, c'est Adidas, c'est Adidas. Oui. Et je ne sais pas pourquoi, sachant qu'ils font des poupées et des sorts de la nature. Genre, j'ai vraiment pas compris pourquoi. Y'a aucun rapport entre Adidas et la classe, quoi. Et c'est quoi le rapport entre un féca et le café? Parce qu'il fait le café. En soirée. Sachant qu'en plus c'est pas... Et voilà la barbaque. Ah, faut commencer le rituel? Quel rituel? Mais il me dit commencer le rituel. Non. Putain, non, il faut 10 bouts de boue, 2 yeux. Alors, normalement, vous avez déjà les bouts de boue et l'œil de canigou. Ouais. Donc, on va aller buter un vampire. C'est où ça? Au cimetière d'Amakna. Oh, génial. Je vais vous TP. Ok, merci. Voilà. On a bientôt fini. Les quêtes. Oh. Ben, je crois que c'est la dernière qu'on fait. Ouais, c'est la dernière, manque de moules. C'est vraiment la liste de courses pour un vieux en confinement, quoi. C'est ça. Complètement d'actualité. Est-ce que t'aurais pas une petite blague, Jake? Ah, ça fait longtemps, c'est vrai. Une blague? Oula. Je réfléchis. Hein. Réfléchis que tu risques de finir en temps fort. Ils enterrent des Pokémon. Oh, t'es toi. T'as pas le droit. J'ai rien compris. C'est voilà. C'est en gros, si tu veux, il y a la Chine qui a fait un hommage aux morts. Ah oui, le BFM TV. Voilà. Merci. C'est vraiment des trimards, hein. Enfin, bref. Ouais, ils sont excusés dès le lendemain, sauf que leur excuse était aussi pourrie que leur. C'est ça. C'était juste du foutage de gueule extrême. Ouais. Enfin bref. Ça y est, c'est fini. Moi, j'aurais adoré. Ok. Il m'aurait dit ça. Dans un contexte professionnel, j'aurais explosé sur le plateau. Il faut attendre 3 minutes. Ah, tu t'es... Avant de la téléporter? Oui. Bah écoutez, en 3 minutes, on peut faire de la pub, hein. On peut faire des blagues. Ah, je cherche les blagues en attendant. Oh, bah fais la pub, vas-y. Ah, je peux pas faire tout en même temps. Hein. D'abord la pub, c'est plus important. Enfin, je crois. Non, je suis concentré sur la blague, là. Bon, ben, fais ce que tu veux. D'accord. Non, mais ça veut pas dire j'ai que... J'ai beaucoup ri. Personne... C'est trop stylé. J'ai pas vraiment écrit de blague ces derniers jours, en plus, donc... C'est...
bien sûr. Pour pas les oublier. Et papy, il prend de l'âge. Hein. Oui, ben, ça va. Hein. Si tu dis que dans un an, je suis vieux, merci. Quoi. Dans un an, t'es vieux. Je ne dirai rien pour être poli. Je crois que je l'avais déjà fait ça. Tente. Non, je vais en faire une autre qui a... Elle est un peu d'actualité, c'est triste. D'accord. Pourquoi les vieux font-ils des bains de boue? Des bains de boue? Oui. De plus loin. Bah... De boue attachée. Boue, la boue. Non. Bouillasse, c'est quoi? Bah, pour s'entraîner à être enterré. Ouais, c'est un peu ça, c'est pour s'habituer à la terre. Moi, je l'aime bien. Facile. Peut-être facile, mais efficace. J'aime bien l'humour noir parfois. Encore une minute. C'est l'heure de la pub. Ok, je fais quoi comme pub? J'explique ce qu'on fait ou c'est juste que tu veux. Vas-y. C'est ton moment. Pas moi qui gère Dofus normalement. Alors, c'est mon moment. Alors, vous pouvez me suivre à moi sur mes réseaux. Vas-y, hein, c'est pas grave. Hein. Non, y a rien. Je pose des conneries donc c'est pas intéressant. Non, c'est bon, j'ai rechargé la page. Non, vous pouvez suivre Ivasun Studio sur les divers réseaux sociaux que sont Facebook, Twitter, Instagram, Discord. Rejoignez Discord, c'est assez sympa. On poste pas mal de choses sur Discord qui sont intéressantes, des bons plans, que ce soit des jeux gratuits, des initiatives, des spectacles gratuits aussi. Voilà, on en poste pas mal et l'actualité du jeu vidéo, bien entendu. Donc, ouais, rejoignez Discord, c'est cool. Ouais. T'as défini, hein, donc. Bah, c'est pas mal. On sort? Oui, vous sortez. Oh, les quelque part en particulier. Par l'escalier. Ou... Reste là. Ah qu'est-ce qu'il fait, Jake? On prend l'escalier ou on part la clic-clac? Non, on prend l'escalier. On prend l'escalier, d'accord. Et on va dans la petite maison, gros. Via dans la crypte. The crypt. La porte rouge, là? Oui. Ah! On va attendre que Eric. Bah écoute, c'est rare qu'il y ait autant de monde ici, alors je prends. Une crypte, un mausolée, un volcan. T'as de la menthe derrière le vampire. J'ai vu. C'est bon. Il n'y a pas de petit profit. Grâce c'est à ça, j'ai acheté la panneau de Guillaume. À donner à un pauvre orc. Ah putain, c'est trop. Il a une gueule bizarre, le vampire. Hein. Un peu, c'est vrai. On dirait Nemo. Ouais. Dans son... Surtout. Oh bah, faut tuer en dernier. Oh bah, vive la France. Flemish. Hein. Flemish. Flemish. Aïe. Mais ça fait mal. Vol de vie. Bah je te la reprends. C'était vachement utile ça. Voilà. Bah écoutez, j'étais très utile. Hein. Hey, j'ai trouvé de la viande. Génial. Chouette. On a tous drop ou pas? Normalement oui. C'est un sang, c'est ça qu'il fallait? Non, cervelle. Non, une cervelle. Ah pardon. Bon, ben on peut retourner voir le Bork. C'est ça. Bon, ben on prend le zap, hein, pas envie de se taper et d'attendre 8 ans. J'ai pas eu la cervelle, hein. Allez, bord de la forêt maléfique. Ah super, il y a un rinçois. Oh là là, je sais pas de quoi il parlait, mais j'avais pas envie de voir là. Il faut aussi lui ramener un cœur de Bork Solène. Oui, t'inquiète pas. On va le faire.
Bah, il dit qu'il est ismé. Ah, il est métis. Ouais. Oh, super. J'avais plus que de... J'étais plus au courant que Dofus était une app de rencontre. Attends, moi ça m'intéresse, hein. Non. Oui, Je veux savoir ce qu'ils vont dire, c'est les feux de l'amour. Mais non. Ah, il y a un smiley. De quoi vous parlez, là? Il y avait des mecs aux apps qui se parlaient, et voilà. Ah, il a hâte. 45 de minutes de route, c'est mérité. Ah, donc ils vont vraiment se pécho, en fait. Apparemment. Waouh, ça va vite sur Dofus, putain. Smiley et coquin. Damn. Les gens s'en foutent. J'ai envie d'une pizza. Moi aussi. Je pense que ce sera... Je veux une pizza de la manufacture. De la manufacture? Oui. En ce moment, on commande chez... Ofada. Oh, je suis pas fan des Ofada. Eh ben franchement, nous on se régale. Il a voulu tester un truc dernièrement, c'était nul. Mais nul. Ah, le couple s'est séparé. Bon bah je m'en vais. Oh. Qu'un peu TP? Non. En 2 minutes. Mais vas-y à pied, con, on y est déjà. Et si toi tu TP, peut-être que ça... Mais ça non, c'est pareil. Je crois que c'est pour tout le groupe. Oh... Voilà, 1 minute. Ding dong, ding ding dong. Je sais plus ce que c'était, mais c'était nul. Quoi, une pizza? Alors, grosse... Ah ouais. C'était une pizzeria, burger, tout fin. Oh. C'était nul. Oh, trop bon. Non, mais c'était une pizzeria qui faisait aussi burger, putain. C'est en train de trop bon. Je vais mettre deux Big Mac sur ma pizza. Waouh, trop bon. Et après je la roule pour en faire un wrap que je mets dans un taco. Nous allons entouré de maquis. Nous allons au donjon Bourg. Donc 1, 2, en bas, moins 5, 10. J'ai fait 2 pizzerias pour le moment sur Castel. Bon, il n'y en a plus beaucoup à faire. Hein. Et franchement, pour l'instant, non, ça vaut pas du tout ce qu'on peut connaître sur Toulouse. Ah, mais la manuf, c'est la manuf. Ah, mais ouais. Mais ça... franchement, au Fada, nous, on... Enfin, moi j'aime bien. Il y a une pizzeria. Ouais, Forno Gusto, c'est bon, mais c'est super cher, quoi. C'est, ah, bon, en même temps, après, il est maître pizzaiolo, le mec, hein, mais. Ouais, mais parfois, je trouve que c'est vraiment cher pour ce qu'il y a dans ta pizza. Quoi. Oui, ça, oui. Mais il y a une pizzeria aux arènes, vraiment place aux arènes, qui est super chouette. Une pizza aux arènes. En fait. Pizza voilà. Aux arènes qui est vraiment super chouette. Viens ici, on parle bouffe. Je sais pas s'il faut y connaître donc. Attends, je vais chercher, je le vu qu'il est super bon. Enfin, vu qu'il vraiment, est super bon. Vu qu'il aime beaucoup la pizza. Pizzeria. C'est bon Thomas? Bah, j'attends qu'on me TP. Oh, t'es sérieux? Ah, il est vraiment pénible quoi. Ah, c'est bon, c'est passé là. Oui, c'est bon, c'est passé. Bah oui, à force de t'attendre, évidemment que c'est passé, putain. Bah écoute, ça nous permet de parler de vous. Mais marche. Tu peux faire les deux, non? Venez ici. Oh là là. Une pizzeria non, aux arènes. Non, regarde les mêmes. Je crois que c'est Pizza Félix. Ah bah c'est ça. Pizza Félix, quoi. Il vient de dire ça. Et donc, c'est bien ou pas? Ah ouais, voilà, c'est bon. Ouais. Ah bah, on est d'accord, franchement. C'est très bon, mais apparemment, il livre pas chez nous, ce qui est dommage. Ah bon? Ouais. Bon, bah Thomas a lancé le combat. Allez, hop. Oui. C'est une petite map en plus. Waouh. Allez, on va passer en mode créature. Bon, que vous avez, vous qui nous suivez sur le stream, maintenant, vous savez quelles pizzerias sont intéressantes à Toulouse. Ouais, sur Toulouse, ouais. Parce il y a aussi... C'est un temps fort, on fait de la pub gratuite pour les pizzerias. Putain, si je pouvais être sponsor en speed. Ouais, non, ça serait moche. Si vous êtes une pizzeria et vous voulez nous sponsoriser. Comment ça s'appelle cette pizzeria? De l'Ormont? Non, pas de l'Ormont. Ah, si, la pizza de l'Ormont aussi, c'est pas mal, oui. Mais. Elle est pas homosexuelle? Non. Mathieu de l'Ormont? Non. On parle pas ce de n'est lui. Pas un temps fort. Je ne veux pas de lui. Ah, mais alors là.
J'exècre cette personne, je ne sais pas pourquoi. Comment elle s'appelle cette pizza? De l'Ormeau. Moi je trouve ça drôle. Il ne manque plus qu'à faire 600 km. Draken, t'es à beaucoup plus de 600 km. 600 km, c'est pour qu'on monte à Paris, nous. C'est clair. Et mais tu viens sur Toulouse quand tu veux. Hein. Par contre, moi, je suis pas sûr d'y être. Avec mon... J'ai pas compris. Parce que t'as pas le bon claque. N'oublie pas qu'on a l'arme de la quête. Allez, on est obligé de la garder. Mais non, tu pouvais le changer depuis le temps. Mais c'est vrai qu'on te l'a pas redit. Je me suis dit, mais il fait 13, qu'est-ce qu'il fait? Et là, je vois écrit « Scalpel de Borkenroll ». Non, faudrait que tu remettes ta quaclum de glace. Ok. Zart. Oh, putain. Ah bah, ok, mon touche. J'en crève, ok. Bonne pizza. Tu disais, pardon, Thomas ? Bizarre. Bizarre ? Une bonne... Ouais. Ah, je sais pas. Une bonne... C'est tenu par des Italiens. Ah oui ! Voilà. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelait, la pizza nulle, mais ce que je me souviens, c'est qu'on a commandé sur un truc qui s'appelait, je sais pas, chez Madame... Bref. On va dire ça comme ça, chez Madame Bref. Et quand on a reçu la pizza pour Colin et moi le burger, la pizza était dans une boîte, de la boîte à pizza. Donc en fait, ils ont super mitonné. Ouais, c'était une franchise. Ah mais... Ah pardon, c'est à moi. Je pense pas que c'était une franchise, c'était juste de la bouse pour être de la bouse. Ouais. J'étais mais dégoûté. Et je pense juste en fait qu'ils ont changé le nom ou je sais pas quoi sur le net pour... Oh là là. Elle est pénible. Ouais. La Takeware. Quoi? Pourquoi la Takeware? Parce que c'est à côté de la Takeware, mais la Takeware a déménagé. Effectivement. Aïe. 901 km si je vais à Toulouse. Oh la vache. Ah voilà, c'est déjà plus, oui, 900. Quoi, il est où? Il est du nord. Il est à... pas loin de Roubaix, c'est ça? Oui, je crois... Non, c'est pas... Il bosse à Roubaix. Non, il bosse à Roubaix. Il est pas à Lille? Bah, Roubaix, Lille, l'ancienne, ça se colle. Mais il bosse à Roubaix. Je crois qu'il est à Lille. Si j'ai bien retenu. Non. Au moins c'est dit non. Je bosse près de Douai. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. On va mourir, hein. En fait. Hein. Genre sans déconner. Mais c'est quoi les résisques là, mais... Enfin bref. Oh putain, un tour. Réflexion. En plus, ça va se re-soigner, enfin... Mettre ça. Ah bon? Je pense, oui. Ah, je l'aurais pas mis là, quand c'est pas énorme. Ouais, je l'aurais mise entre... Ouais. Entre les deux. On va se mettre une carotte tous les deux. De toute façon, on trouve toujours une croix pour tous nous attaquer, donc... Ouais, c'est un peu... Mais elle va se reconstituer, là, ça va être l'enfer. Putain, dans un tour, c'est une blague. De quoi? Que je peux faire le bouclier. Je peux faire ça. Ah, j'espère qu'elle reconstitue pas de suite là, parce que. C'est cumulatif les glyphes de Kawot ou pas? Je crois, oui.
Allez, courage. Mais elle a 48 de résiste-feu. Mais je sais. Qu'est-ce que je te dis? Bon, on continue de lui enlever la puissance, là. Oh là là, mais... J'ai rien vu de l'animation tellement ça a lagué. Ouais, la carotte est protégée, on est bon. Moi, je pue la merde, mais alors la carotte, hein, c'est... Tant qu'elle va bien... On a gagné notre partie. Putain. T'atteste. Je sais pas où mettre en fait, hein, parce que. Bah, dans tous les cas, elle te touche, je pense. Ouais, c'est trop chiant. Eh, hey, plus que 1000 PV. Reconstitution. Elle va le faire, hein. J'en suis, mais... quasi certain. Non, j'ai trop peur de... Non, je peux vraiment... C'est quoi, exactement, reconstituer? Bah, tu vas vite. Elle regagne tous ses PV. Pas tous ses PV. Et non, puisqu'il y a de l'érosion. Non, okay. Mais elle a des résistes partout. Donc oui, ton sort il fait moins mal. Allez, on y est presque. Vas-y Jack, on voit tout ce que t'as. Chauffeur, achacha. Non. Chauffeur, il va encore s'en prendre à moi et je vais mourir, ça va me saouler. Ah. Voilà, c'est bon, elle est morte. Eh ben. Facile. Ouais, grave. Du premier coup. Maintenant, vous pouvez parler à Borkenroll. Et finir cette quête. Non, c'est pas fini. C'est une blague. Oh. Hein. Putain, mais t'avais dit qu'on ferait plein de choses. Bah, désolé. Hein. Mais tu mens, en fait. Oh non, Moumoule. Je vais aller chercher Moumoule. Non. Bon, allez, faut sortir. Se téléporter. Zap de Sufokia. Non. Rivage Sufokien, si tu l'as. Rivage, plutôt, ouais. Je sais pas si Guillaume l'a, le rivage. Je sais pas, je vais dire ça. C'est Sinon, de Sufokia, hein. Rivage Sufokia. Oui. Ok, mec. Et on... Venez à droite. Va à droite. Il y a Moumoule. Là, t'es parti à gauche. Hein? Je suis allé à gauche parce que je connais pas ma droite, ma gauche. Après, il se foutra de notre gueule, hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et eh ben j'ai cliqué parce que en fait l'écran avait chargé mais pas les mobs. Et pile au moment où ça a chargé les mobs. Mais tu veux pas attendre que les mobs arrivent? En plus je prends plus gros. Elle est tellement vite ouais, genre... que je peux rien faire. J'aime beaucoup la gueule des requins là. Ça va, y a une moumoule dedans, c'est plus important. Ah, Draken a fait le donjon du tofu. Bravo. Et je le vois pas écrit, moi, ça. Parce que tu l'as pas dans tes amis. Mais non, tu m'as pas ajouté en même temps. Je savais bien que j'étais un pestiféré, mais quand même. Hein. On fait le châle ou pas? Il va être chiant, le châle. Ouais. Non, on fait pas le châle. Attends, ça, c'est une moule, ça? C'est Moumoule. Alors, je sais, j'ai pas 10 sur 10 ça, sur mes yeux, mais on dirait des fusées. Des fusées? Ah bah, ouais, t'as ouais. Vraiment pas 10 sur 10 sur tes yeux. Tu sais que tu peux zoomer avec la molette de ta souris. Bah, on dit, ouais, ça fait Patrick l'étoile de mer en super-héros avec une fusée, ouais.
Waouh, ça fait mal. Déjà que le lapis de ma lance sur Splatoon 2, c'est un transat. Alors là. Moi, je vais dire d'accord parce que je comprends vraiment pas tout ce que vous dites. Sur Splatoon 2, une fois j'ai joué avec Guillaume et t'étais là. Et l'ulti qu'il avait, il a dit ça ressemble à un transat. Alors que c'était une lance. Non mais c'est Link, hein. Ok. Vous allez taper qui en premier? Qui tu veux. Ah, n'importe, okay. Là, c'est, tu fais ce que tu veux. Tu peux même faire ton gros sort, là. Là, faut tous les tuer. Mec, il se crée des challenges. Vous avez tapé qui en premier? Oh la vache. Non, c'est un rec. Hein. C'est quoi ce bruit? Elle fait des claquettes en plus. Elle fait des claquettes. J'ai pas de son, donc on va dire ouais, elle fait des claquettes. C'est bientôt fini la quête ou? Oui, oui, c'est la dernière étape. Bon bah parce qu'après la quête, on arrête. Hein. Bah ouais. On fera un donjon blop la prochaine fois. Avant la prochaine fois, j'aimerais tester un truc avec une pensée à une chose. Pas de soucis. Parce que c'est pas la première fois que tu dis que t'as pas de son sur Dofus et qui n'est pas forcément lié à Discord. Et j'ai pensé à une chose. Quand on est en stream interne, genre via TeamViewer ou Parsec, tu as le son. Du coup, si jamais, est-ce que ce serait pas intéressant que tu aies mon écran juste pour avoir du son? Oui. J'en sais rien, hein, peut-être que ça fonctionnera pas. Hein, ouais, il y aura peut-être du décalage, ouais. Cela dit. Après, je le relance, enfin, je mets un OST derrière, c'est pas trop dérangeant. Non, c'est non, juste, non. Là, c'est juste, franchement, le problème, c'est Discord, quoi. C'est, je comprends pas que ça me foute autant dans le mal à chaque fois, quoi. Putain, j'ai jamais eu de problème avec Discord. Ah ben moi j'ai que ça, hein. Et alors je commence à en avoir, mais plein le dos. Je connais plein de gens qui ont des problèmes avec Discord. C'est genre, ouais. J'en peux plus. Ça me fatigue. Et je reste poli. Parce que si déjà, la première fois que j'ai voulu m'y remettre, j'avais un compte. Au final, ils m'ont dit non, t'en as pas. Je leur ai envoyé un mail avec les identifiants, ils m'ont dit non, ça existe pas. Ah bon, ben d'accord, ben si vous voulez pas le faire, en fait, on le fait pas. Ils se sont littéralement foutus de ma gueule. Là, maintenant, j'ai des problèmes avec ça. Enfin, c'est trop pénible. Ouais, on a tous une moumoule. On retourne à machin.